La société civile nationale, régionale et internationale a rendu un hommage à son éminence, le cardinal Christian Toumi, le samedi 17 avril de 15h à 19h au restaurant La Chaumière à Bonaprizo, Douala. Parmi les invités, les hommes politiques, les autorités religieuses, les autorités traditionnelles, les journalistes, les avocats, pour ne citer que ceux-ci. C'est par la chorale que la soirée dédiée à l'hommage organisé à la mémoire de son éminence, le cardinal Christian Toumi, a commencé. Un groupe de danse traditionnelle et la prière prononcée par l'abbé Mukenge Shahir. C'est suivi le mot de bienvenue du comité d'organisation par la voix de Maximilienne Gombe, directrice exécutive du REDAC. Nous remercions d'avoir libéré 16 heures de votre week-end pour répondre à cette invitation afin d'honorer la mémoire d'une icône, d'un patriarche, d'un prélat, d'un artisan de la paix et de la réconciliation qui, toute sa vie, a été à la vanguarde des initiatives de renforcement de la cohésion sociale, de préservation de la paix et de réconciliation nationale. Un débat a été organisé tout juste après, avec pour modérateur le docteur Hilaire Kamga et comme panéliste entre autres Barista Akbor, Sir Paul Valéry, qui a rendu un vivant hommage à son éminence, le cardinal Christian Toumi. C'est pour le bien, c'est pour le bien. Et si jamais quelque chose de contraire se produisait, par exemple un mal apparent, il disait ne t'inquiète pas, Dieu saura retourner cela en bien parce que ton intention de départ, elle est droite, elle est étroite. Respect de soi des autres, très courageux. On continue, on va finir. Là, c'est une photo qu'on avait prise en 2018. Bientôt, on va finir. Un grand pédagogue. Les témoignages ont clôturé cette cérémonie riche en émotions. Parmi ceux-ci, le témoignage de Maître Alice Combe. C'est une perte énorme, surtout par les temps que nous connaissons. Nous avons besoin de lui, justement maintenant. Mais s'il est parti, c'est peut-être parce que cet homme qui a une dimension incommensurable a peut-être voulu nous dire, même de loin, je vais être là, je vais participer. Je suis donc ici pour un témoignage de l'immense dimension du cardinal Toumi. Beaucoup de gens m'ont dit, mais elle n'est pas catholique. Mais elle défend des causes indéfendables. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme communauté avec le cardinal Toumi? Eh bien si, le cardinal Toumi et moi, on avait une immense complicité. Il m'a plusieurs fois reçu les bras et les portes ouvertes pour discuter justement de ces sujets-là, qu'on croit tabou, anti-religieux. Et à chaque fois, nous avons eu des échanges ouverts, francs, et j'ai pu admirer son niveau d'écoute. Parmi les organisations de la société civile présentes à cette cérémonie d'hommage, rendue à son éminence le cardinal Christian Toumi, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale,
prier. Centre for Human Rights and Democracy in Africa, la plateforme de la société civile pour la démocratie.